le monde! C'est Matka avec Handmade by Matka. Je veux juste faire sûr là, que tout fonctionne bien parce que là, j'ai changé. Je pense que vous voyez juste moi pour commencer. Oui, donc c'est pas mal excitant. Je vais m'amuser avec ma caméra un peu. Oui, comme vous voyez, je vais faire mon live en français à soir. J'ai pensé que c'est le temps que j'alterne un peu. Là. Ça fait qu'on va faire un peu d'anglais, un peu de français. Puis le but quand même, c'est juste qu'on voue le projet que je fais, puis qu'on partage nos créations, puis notre amour, notre passion pour les camps et le stamping. Donc, on va aller avec la gagnante de la carte de la semaine passée. Ça fait que je vais juste tourner ma caméra sur ma table, puis on va être prête pour commencer. Donc, je vais juste rajouter ma face là, pour que vous pouvez voir ma réaction. Tiens, tada! Donc là, je suis là. Allô, Guylaine! Allô, Chantal! Fait que là, je pense que je suis toute correcte. Vous me voyez probablement pas le dessus de la tête. Là. C'est ça, il faut que j'essaie de figurer avec ma caméra. Mais vous voyez, j'ai travaillé aujourd'hui. Aujourd'hui, juste tantôt. Fait qu'on va les cartes de la semaine passée. Marika, apporte ça ici. So, on avait fait... La carte qu'on a faite, c'était celle-là. Avec notre enveloppe. Finalement, j'ai décoré mes enveloppes. Allô, Francine! Puis, rappelez-moi de faire les enveloppes pour ce soir aussi. Je les ai sorties, sauf que j'espère que je vais y penser, mais qu'on fasse la carte. Donc, ça, c'est la carte que j'ai fait tirer. Puis, on avait fait, donc, les beginners, ceux qui commencent juste, un peu plus compliqué, un peu plus de détails. Puis là, encore plus de détails sur celle-là avec toutes les petites fleurs. Anyways. La gagnante, c'est Monique. Donc, Monique Saint-Amand, je vais m'arranger de t'envoyer ça par la poste avec ta belle enveloppe. Puis comme ça, tu pourras la partager avec quelqu'un, toi aussi. Donc, merci encore de commenter et partager ma vidéo. J'apprécie ça de tout mon cœur. Hi, fille! J'aime ça quand tu viens. Je te manque les autres journées. OK, donc, la carte pour ce soir. On va commencer avec la plus simple. Vous allez savoir qu'est-ce qu'on joue avec. On utilise le jus d'étampe joliment tressé. Puis, ça. Allô, Martine! Puis, les couleurs qu'on utilise, c'est Pretty Peacock, Paon Pimpant, Soft Siphon, Sous l'écume et Blushing Bride, Fleur de cerisier. Oh. Il est beau en français, celui-là. Je l'aime. Yay, Monique! Je suis contente! Donc, on va prendre ces cartes-là, puis on va en rajouter un peu plus. Puis après ça, je vais vous montrer la carte que j'ai faite avec encore plus. On commence avec notre base de cartes. Juste... Oh, mon doux! Mon stand est en train de se défaire. Ça tient pareil, là, mais je voudrais pas que tout tombe. J'espère que ça n'a pas trop bougé. Hi, Sue! Merci, Guylaine! Donc, n'oubliez pas, si vous voulez gagner la carte qu'on fait ce soir, de partager et de commenter. Comme ça, je peux aller choisir un gagnant la semaine prochaine. Puis, vous avez la chance de gagner la carte qu'on fait ce soir. Je vais aller avec... J'avais dans la tête, là, quoi que je voulais faire. Merci, Martine! Je vais l'étamper. C'est ça. Donc, on va l'étamper avec notre Paon Pimpant, Pretty Peacock. On regarde avec ça. Puis, je vais juste étamper le bas, bien, le haut de la fleur, parce que je veux juste mettre l'image dans le bas de la carte. Donc là, je vais tasser mes encres pour faire des messes. Poup, poup. Faire sûr que vous voyez tout qu'est-ce que je fais. Bon, fait que là, j'y vais. Je viens d'en marquer que ma carte n'est pas vraiment bien pliée. Hein, c'est un petit détail qu'il faut porter attention. Hi Nancy! I hope you can follow along, Nancy, because I am... Merci, Mindy! I am going with a French video today. On va faire du bilingue, un peu. Français, anglais, franglais. Français. Hi, Pat! Ensuite, on y va juste... Bon, juste là. Comme ça. Ici. Puis
on en rajoute encore un peu. Ouh, wow, on l'a fait un peu plus haute, celle-là. Presque au complet. Tiens. Wow! On fait sûr de bien peser, puis je le tiens un peu plus longtemps parce que c'est quand même un gros étang. Donc, je vais faire ça, j'ai une belle image. Ah, c'est beau, juste comme ça. Oh, tellement beau. Honnêtement, quand j'ai fait la première carte, là, avec le Pretty Peacock, je suis comme, ah, oh, je pense que je rajoute pas rien. C'est beau juste comme ça. Put me on mute, Nancy. bon. Fait qu'on va laver notre étang. Non, il faut faire les enveloppes. J'y ai pensé. Bravo, Marco. Donc là, je vais faire trois enveloppes parce que j'ai trois cartes. Donc, une beginner, une casual, puis une avid. J'ai besoin d'un papier scrap. Tu veux que je vais apporter quelque chose? Ah, non, je n'ai pas besoin peut-être. Je veux décoller l'enveloppe dans le sens contraire de ce que je fais d'habitude. Ça fait que je vais juste étamper ces feuilles-là, encore avec Pretty Peacock, mais juste dans la partie du haut. Donc, ça va faire un peu différent, puis ça va vous donner une idée. Oh, je suis un peu basse, là. Tiens. Je vais monter un peu. Ça. Puis une autre fois. Tiens. Une de fait. Donc, vous voyez. Oh! C'est beau! Ça m'excite tellement. Ça prend pas grand chose. Hein? Encore la même chose. Je prends mon papier scrap ou juste un restant que vous avez. Puis on y va avec le tape. Tiens. Oups. Puis celui-là. Tada! Donc un autre. Oh, c'est tellement beau. C'est vraiment une belle couleur, ça, je trouve. Ok, merci Martine. Je me suis aperçue là, que j'étais basse un peu, puis parfait. Merci de me laisser savoir. J'apprécie ça. Faut que je porte attention à ça, cet ombrage-là. Comme ça. C'est juste faire un peu différent. Ça. Puis une dernière là. Comme je dis, suffit que c'est un gros étang, je me tiens un peu plus longtemps. Quelques secondes de plus, ça fait toute la différence. Ça nous fait une image crisp. C'est pas un beau mot à dire ça. Hi, Rachel! Thanks, I'm so happy you joined me live. Unfortunately, it is a French video, though, so I hope you can follow along. At least it's the stamping that counts, right? Donc, on continue avec nos couleurs. Je vais apporter de nouveau ma carte. Puis on va aller mettre notre Blushing Bride. On a fini avec notre étampe de fleurs, so je vais serrer ça. Rah. Puis j'ai aussi utilisé le message là, ton sourire illumine ma journée. On va apporter ça tantôt. J'ai le petit coup de pinceau ou ces gens pour remplir le cœur des fleurs. Donc on va y aller avec Blushing Bride. Puis je le mets juste là, un peu. Partout. Puis même s'il n'est pas, qu'il ne remplit pas la fleur au complet, je trouve que ça fait un bel effet. Ça rajoute juste un ton
à notre fleur. Comme ça, puis la dernière en bas ici, un plein. Et voilà, c'est juste comme ça. Puis, avec notre soft seafoam, je l'utiliserai pas, j'utiliserai pas l'encre. On va aller avec un morceau de soft seafoam en carton. Oh, merci, Martine. Hi, Marcy! Ça. Puis là, j'ai mon morceau de soft seafoam qui traînait juste ici. Je l'avais mis avec la carte. Ah, il était avec l'enveloppe. Fait que j'ai juste un petit morceau. Il est à peu près un demi-pouce par 4. Ouais, un demi-pouce par 4, mais on va le couper à la longueur qu'on a besoin après avoir étampé. Ah, c'est là que je vais utiliser mon... On va l'essayer avec soft, c'est ton sur ton. Voir si c'est assez foncé. Il suffit que c'est une couleur quand même assez pâle. Donc, je vais aller étamper sur ma feuille quadrillée. Voir comment droit que je suis. C'était pas droit de tout. Tiens, comme ça, c'est beaucoup mieux. Puis, là, je vais aller l'étamper. J'aime que... Je suis pas mal dans votre face. Hein? Faut que je figure ça. Oh, c'est pas si pire que ça. Ça l'a... Oh, je pense qu'on... OK, je vais l'essayer avec le Pretty Peacock. Puis vous allez me dire quel que vous préférez. C'est cute, là. Je trouve ça cute, juste comme ça. Ou avec Pretty Peacock. Encore quand même sur le petit soft siphon. Puis, ok. J'espère que je ne suis pas croche. Tiens. Oh, pas si pire. Donc, dites-moi Pretty Peacock ou soft siphon. Je pense que j'ai déjà un penchant. Je vais voir qu'est-ce que vous dites. Je vais laver mon étample pendant que vous votez soft seafoam ou pretty peacock. Je vais rajouter un peu de ruban. En attendant que vous dites votre préférence. J'ai ça. J'aurais dû pas l'arranger, j'aurais pu faire d'autres. J'étais toute ambitionnée d'en faire mon bloc avec le ici. Pretty Peacock. Vrai, Guylaine? Oh, OK. Pretty Peacock. Pops More. Pretty Peacock. Oh, Mia est là. J'ai pas vu Mia. Hi, Mia! Pretty Peacock. OK, so vous allez tout avec Pretty Peacock. Mon penchant était soft siphon, oui. Donc, on va aller avec Pretty Peacock. There you go. Je suis d'accord que ça pop plus. Je ne m'astinerai pas avec vous autres là-dessus. Je vais juste aller... On va juste couper ça. Puis essayer de l'égaliser un peu. Comme ça. Tiens. Puis je ne trimerai pas plus que ça. Je le trouve parfait comme ça. Puis on va mettre des dimensionneurs. Puis mon ruban. Je vais mettre mon ruban avant de mettre... Ah, donc, OK, ça, c'est peut-être juste la caméra qui fait... OK, bien, si je vous la montre de proche... OK, ça, on va voter de nouveau. Mais je peux aller avec Pretty Peacock, là. T'sais, je sais, comme vous dites, si c'était pas assez foncé. Donc, de proche. Ouh! Est-ce qu'on garde encore Pretty Peacock? Ça, je vais faire ma boucle. C'est vrai que je suis d'accord, vous ne voyez pas bien bien avec le ton sur ton. So, je vais le laisser comme ça. Il suffit qu'on ait voté Pretty Peacock. What? It's growing on me. On pourra le laisser comme ça. Ça reste Peacock. Parfait. On y va avec ça.
Fait que là, je vais prendre mon ruban. So, ça, c'est juste du Whisper White Twine, Baker's Twine. Puis, je vais faire deux tours de ma carte. Tiens. Comme ça. Fait que oui, j'ai été un peu plus d'extra là, par l'autre bout. Bien sûr, j'en avais assez. Tiens. On va faire notre book. Ça. J'espère que vous avez profité de la belle fin de semaine. Il a fait beau. C'était vraiment intéressant et encourageant. Plus foncé. Parfait. On reste avec le petit peacock. On a installé une piscine. C'était ça notre projet de fin de semaine. On a déchampé. C'est cadeau de fête à Vincent. Pis maman. Vincent va juste avoir un an au mois de juillet. Mais moi, je vais avoir un an. Moi, je vais avoir un an dans 17 dodo. Je vais avoir 30 ans. Oh my God! 17 dodo, c'est ma fête. Puis préparez-vous pour un party parce que j'ai tout ça planifié. Puis, on va avoir du fun. Même si c'est ma fête, c'est moi qui vais vous donner des cadeaux. C'est moi qui vais vous gâter. Parce que j'aime ça. C'est toujours plus le fun donner. Mais pas toujours plus le fun, mais c'est vraiment le fun. Chanceux, Vincent! J'ai fait ma petite boucle. Peut-être un peu trop sur le coin, mais elle est là. Puis on va mettre des dimensionnels. Dimensionals, right? Hi Bianca! So Bianca, t'as recommencé à travailler? Ou que là, I know, fille! On va se faire un virtual party, don't worry. Actually, ça serait ton tour d'organiser le Zoom, là. Toi et tout, Chantal, tu vas avoir un an. Yay! Plus. On va rajouter notre petit message juste là. Donc, même si c'est une carte un peu plus stepped up, oh oui, on avait dit ça. Où est-ce qu'on était supposé d'aller à 30 ans? C'est-tu Las Vegas? On avait plein de ça, fille. Qu'on avait un voyage de planifié, mais qu'on est 30 ans, on allait. Je me souviens plus, mais je pense que c'était à Las Vegas. Bon. Anyways, ça, c'est la carte. Quand même assez simple, mais juste un peu plus de dimension puis un peu plus de détails que notre carte ici. Ça fait que mon soft seafoam, je l'avais étampé avec l'étampe de fleurs, genre. Ça fait 3 semaines, t'étais... Oh, yeah, je suis contente pour toi, Bianca. C'est plate, travailler dessus, je suis d'accord. Puis, la carte plus compliquée, juste un peu plus de détails, que j'ai faite, c'est avec celui-là, là. So, j'ai utilisé le Designer Series Paper de Blushing Bride, qui vient dans les paquets 6x6. Puis, j'ai fait avec le heat embossing, donc avec la poudre blanche, sur mon papier Pretty Peacock. Puis, le petit soft seafoam là, c'est sur le carton soft seafoam, avec le soft seafoam. C'est l'image ici. Donc, j'ai juste déchiré la longueur que j'avais besoin. Puis, encore ici, j'ai déchiré autour de mon papier. Puis, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ça shine. J'ai sprayé avec de l'eau, puis mon Wink of Stella. J'avais un restant de Wink of Stella que j'ai tiré dans mon petit spritzer. Ici. Je vous la montre là, mais je peux vous la montrer ici. Puis, hi Catherine! Good. That's all that counts. Fait que j'ai rajouté encore la boucle ici, puis je l'ai juste collée sur... Oups, ça colle pas trop, là. À cause de mon ruban. Fait que c'est ça nos cartes. Fait que là, c'est un peu messy là, avec
mon étampage en dessous, donc on va cacher ça comme ça. Oh, good job, Google! Thanks, Nancy. That's awesome. Google Translate sometimes goes wacko on us, but that was good. Fait que j'espère que vous avez aimé. Si vous voulez gagner la carte que j'ai faite ici, commentez et partagez la vidéo. Puis la semaine prochaine, je vais venir. On va faire un tirage pour la carte de cette semaine. J'apprécie beaucoup. Donc, on va revenir à moi ici. Puis, on va essayer d'enlever ça pour pas que ça s'aille. Oh, c'est pas ça que je veux. Je sais pas comment l'enlever. Oh, bye bye. Là, vous voyez tout ça. Bon, tiens, juste comme ça. Ça. Ça marche-tu? Je pense que oui. Oh non! Ça marche plus. Qu'est-ce que vous voyez là? Ça dit que ça marche plus. Je pense que je suis en cours là, par exemple. Right? Faites-moi un signe là. Ça marche ça encore? Share, love it, merci. Good? Oui, je suis en cours là. Technologie, ça marche pas tout le temps. Mais on se débrouille. Puis j'apprécie beaucoup vos commentaires. Merci encore. Puis n'oubliez pas de partager puis commenter. Merci, bonne soirée, bonne semaine. Bye.